Brabanton donc pour nos Diables Rouges qui vont défendre leur chance ce soir devant 70 000 spectateurs. Ce stade de Benfica où a lieu la rencontre peut contenir 120 000 spectateurs. Il y a donc 70 000 ce soir. La température est bien idéale pour la pratique du football printanière. Il a fait jusqu'à 20 degrés ce midi dans la capitale portugaise, l'île nationale du Portugal, pris au cœur par les supporters, les 70 000 supporters. Face à nos Diables Rouges ce soir, c'est bien normal, et faut-il vous dire que nous, comme vous d'ailleurs, derrière votre camp ou devant votre camp, vous souhaitez exactement le contraire. Eh bien, je vais vous donner la composition des équipes, elle apparaît sur votre écran, c'est-à-dire la composition annoncée, aussi bien pour les Portugais dont vous voyez la liste maintenant des joueurs, Silvinho, João Pinto, Oliveira, Sobrinho, Veloso, Núñez, Victor Panera, Rui Barros. À Foutré et Semedo. Une équipe que l'on attendait avec des vedettes, deux vedettes, faut-il vous les souligner, c'est-à-dire Foutré bien sûr, et Rui Barros, deux joueurs qui évoluent à l'étranger. Rui Barros à la Juventus et Foutré à l'Atlético de Madrid, les capitaines, dont Jan Kullemans qui dispute aujourd'hui son 77e match international. Il n'est pas tellement loin du record qui appartient en Belgique à Paul Van Imst. Paul Van Imst avec 81 sélections, le capitaine portugais est João Pinto. Et la composition de notre équipe nationale, c'est l'attendu. Vous savez qu'il y a eu quelques doutes ces derniers jours quant à la participation de Verstappen notamment, dont vous savez la maman est gravement malade, de Demol aussi, qui avait été blessé lors du match disputé par Bologne, donc en Italie, mais qui est arrivé sain et sauf hier. Et pour Emers également, Emers douteux, qui avait été blessé lors de la rencontre de Supercoupe entre Malines et le PSV. Donc tout est en ordre du côté belge. Là aussi, c'est l'équipe annoncée. Et l'arbitre est français, vous l'avez vu, Monsieur Biguet, qui a notamment arbitré la finale des Jeux Olympiques, finale de football des Jeux Olympiques. Beaucoup d'ambiance ici dans ce stade de Benfica bien connu, où il y a eu tant de matchs importants depuis de nombreuses années. Et une carte importante jouée par les deux équipes, et surtout, dirais-je, par les Portugais, car bien sûr, nous sommes venus théoriquement pour tenter d'enlever un petit point, ça nous satisferait. Ça nous ferait notre bonheur, un petit point ici. Et les Portugais, eux, ben, comme toutes les équipes qui doivent disputer des matchs préliminaires de Coupe du Monde, eh bien, les Portugais jouant chez eux doivent à tout prix, eux, enlever les deux points s'ils veulent conserver une chance. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné et les Portugais en possession du ballon. Le numéro 10, grande vedette de l'Atlético de Madrid, l'ancien joueur de Porto, Enzo Schifo qui est là, Guéretz, Van der Elf qui a donné à Guéretz, évidemment les coups de sifflet qui saluent les Diables Rouges,
les Diables Rouges qui vraisemblablement vont tenter de conserver le ballon le plus longtemps possible cette bonne guerre. Une faute en coup franc, premier coup franc de la partie, un coup franc que va donner Veloso, le joueur de Benfica, 32 ans. Voilà Veloso qui a donné à De Mol, notre libéro. Vous savez que De Mol était douteux, je vous le disais tout à l'heure, il a été blessé avec son club Bologne, ce qui a amené Guy Thaïs à appeler Jean-François Dessart au cas où De Mol n'aurait pas été en mesure de défendre ses chances ici. Eh bien c'est Jean-François Dessart, le Liégeois, qui aurait joué. Mais De Mol est arrivé hier, je dis seulement hier parce qu'il y a eu des problèmes de brouillard à l'aéroport de Milan. De Mol n'est arrivé qu'hier, mais apparemment, donc il est en grande forme, en forme normale en tout cas. Nous verrons tout à l'heure. Les Portugais avec Veloso. Veloso qui a donné à Núñez une ouverture, un Rui Barros. On l'a récupéré par les Diables Rouges avec Versavel. Versavel qui va jouer donc carrière. En réalité, théoriquement, Versavel devrait pouvoir bénéficier d'un couloir devant lui pour descendre balle au pied lorsque l'occasion se présente, tout comme Guéret d'ailleurs de l'autre côté. Et bien Michel De Wolf, lui, va pratiquer un marquage serré sur Rui Barros, la vedette, l'une des deux vedettes. Il y en a pas mal finalement, il y en a plus que deux de cette équipe portugaise. Mais Michel De Wolf ne quittera pas Barros d'une semelle. On avait parlé aussi d'un marquage pour Emers sur Poutré, mais Guy Thaïs nous a dit, mais nous allons voir si tout ça se justifiera sur le terrain. Guy Thaïs nous a dit hier que Emers n'aurait pas, la mission d'Emers ne serait pas de marquer de près Poutré. Nous verrons ça tout à l'heure. Les Diables Rouges en possession du ballon avec De Mol. Longue transversale de De Mol vers Eric Guéret. Guéret qui a donné en retrait vers Van der Elst, qui va évoluer, comme on dit maintenant, un peu en essuie-glace devant la défense. C'est l'image audacieuse, vous l'avouerez. Un essuie-glace dans un pays où il ne pleut pas, en tous les cas pour le moment. Je vous disais tout à l'heure, il fait très beau ici, à Lisbonne. Chiffaut cherche un partenaire démarqué, Chiffaut toujours, cherche le 1-2, le trouve avec Keulemans, bonne ouverture de Chiffaut vers Versavel. Versavel, est-ce qu'il va arriver à temps? Oui, un centre de Versavel, centre en retrait, personne à la récupération, et c'est Veloso qui peut dégager. La balle revient vers De Wolf. Chiffaut, De Wolf, encore une bonne ouverture de Chiffaut à De Wolf, et le ballon est sorti, coup de pied de but pour les Portugais. Nous sommes installés ici dans un véritable aquarium derrière des vitres, un peu si j'ose dire comme des sardines portugaises, serrées l'un contre l'autre avec tous les journalistes belges et étrangers. Il n'y en a pas mal. Une ouverture de Semedo, le joueur de Porto, le ballon récupéré par Poutré. Il est perdu ce ballon au profit des Diables Rouges qui repartent en contre-attaque maintenant avec Georges Grün en retrait à Michel Prudhomme. Prudhomme à De Mol, De Mol à Van der Elst pour Chiffaut. En ce moment, tout passe par Chiffaut. Depuis le début de la partie, Chiffaut, dont Guy Thaïs voudrait faire définitivement le patron de notre équipe nationale. À 23 ans, Chiffaut qui compte déjà 31 sélections dans l'équipe des Diables Rouges et qui a connu des hauts et des bas depuis qu'il a quitté la Belgique. Grune, longue ouverture de Brune en direction de De Grijs. Le ballon récupéré par les Portugais. Les Portugais qui repartent donc en contre-attaque maintenant avec Veloso. Van der Elst est là. Van der Elst toujours, il arrache le ballon. Parvient de donner à Grune. Grune qui a l'espace libre devant lui, qui donne à Keulemans. Keulemans avec Grune. Oui, une ouverture de Grune. Il a tenté
tenté de donner le ballon dans la foulée de Kuhlmann, il n'est pas parvenu. Un ballon qui redevient portugais. Contre-attaque portugaise. Avec Panera. Toujours Panera qui s'infiltre. Oh là, bon dribbleur Panera. Il est arrêté. Fautivement, bien sûr, par De Moll. De Moll qui va peut-être recevoir le carton jaune. Eh bien oui, premier carton jaune donc pour De Moll. De Moll n'a pas fait le détail, vous voyez. Eh bien oui, c'est normal que l'arbitre français donne un carton jaune à De Moll pour cette faute évidente à l'entrée du rectangle, à 2 mètres du rectangle en tous les cas. Il est vrai que Panera était parti mal au pied, il s'était débarrassé de pas mal de joueurs. Il avait effacé 1, 2, 3 joueurs et il se présentait dangereusement. De Moll l'a arrêté fautivement et c'est un coup franc. Donc coup franc pour les Portugais. Premier coup franc dangereux, dirons-nous. Et Panera s'est blessé. Enfin, c'est De Moll qui a blessé Panera. Un mur blanc qui s'organise. De Moll vient expliquer qu'il ne l'a pas fait exprès. Tous les footballeurs vous diront qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Tous, bien sûr, ont une idée derrière la tête. Et l'arbitre n'est pas dupe. Il a compris, M. Biguet, et il a, fort justement, il faut bien dire, sorti le carton jaune. Voilà comment le joueur portugais s'est débarrassé de 2-3 diables rouges et a été arrêté, agressif. On peut dire le mot par De Moll. Coup franc. Ouh là là, dangereux, dangereux. Qui va donner le coup franc, peut-être Souza. C'est Souza, semble-t-il, qui va donner ce coup franc. Michel Preud'homme qui place son mur, comme on dit dans le jargon footballistique. Une balle brossée, certainement, vers Preud'homme, qui détourne un coup de coin. Oula, il y a eu un ballon. Le ballon a rebondi devant Michel Preud'homme et Michel, de la main gauche, l'a écarté en coup de coin. Nous allons revoir ce tir dangereux de Souza. Et Michel Preud'homme, voilà, de la main gauche. Bravo Michel. Coup de coin. Semedo. Et Michel Preud'homme qui est là, il cueille le ballon. Vas-y Michel. Bon, on aura besoin. Long dégagement de Michel Preud'homme en direction d'Oliveira. João Pinto, le capitaine. En retrait, Silvinho. Oserais-je déjà jeter un regard sur le chrono? 8 minutes et c'est toujours 0-0. Foutré. Foutré en retrait à Núñez. Chifo. Chifo toujours. Oh, bonne couverture de balle de Chifo. Et regardez ce regard circulaire et ce tir d'Enzo à côté, très loin à côté du but de Silvinho. J'ai l'impression que Chifo va bien jouer ce soir. Le voilà Enzo. Je vous le disais, 31 sélections. C'est un record, hein, pratiquement à 22-23 ans. Veloso. Oliveira, longue balle vers Michel De Wolf. Michel De Wolf avec toujours à ses côtés Rui Barros. Une faute de De Wolf sur Rui Barros. J'ai bien l'impression que Michel De Wolf rêve de Rui Barros depuis 8 jours. Doit le tenir partout, a dit Gittes. Le coup franc donné, le ballon repoussé de la tête par Grün. Et De Wolf qui dégage. Sur Pinto. Bonne couverture et le ballon récupéré par Chifo. Kuhlmann en retrait à Van der Elst. Van der Elst glisse ce ballon vers De Grijs qui arrive trop tard. Une faute de De Grijs. Faute de De Grijs sur Foutré. Et un coup franc. Toujours 0 à 0, nous allons revoir la faute de De Grijs. Elle est normale, enfin, évidente en tous les cas, sur Foutré. Le ballon maintenant pour Veloso, joueur de Benfica. Veloso qui s'infiltre, Veloso qui va tirer, il arrive dans l'axe, dangereux. Oula!
Panera, et le ballon sort en coup de coin. Encore une situation dans le dans notre rectangle, c'est Panera qui a forcé ce coup de coin, un coup de coin que va donner Foutré certainement, oui voilà. Foutré en retrait vers Panera. Panera à Foutré, Foutré qui s'infiltre, qui va tirer encore une fois, il laisse un tir au-dessus. Un tir d'Oliveira. Toujours 0-0. Coup de pied de but pour Prud'homme. Nous revoyons la passe de Foutré et le tir d'Oliveira. À côté du but de Michel Prud'homme, nous n'avons pas eu peur. Van der Elst. Van der Elst à Keuleman, notre capitaine, notre valeureux capitaine, hein, qui a voulu donner vers Guéret. C'est Semedo qui s'est infiltré, qui s'est interposé, qui a donné vers Foutré. Et le ballon. Ballon sort pour les Diables Rouges. Foutré ici, l'Atlético de Madrid, l'ancien joueur de Porto. Vous voyez, 22 ans, 16 sélections, un des meilleurs joueurs européens. Guéret. Longue balle de Guéret en direction de Keuleman. Le ballon revient dans nos rangs. Emers de la tête. Toujours Emers. Qui a donné à Van der Elst. Van der Elst dans les pieds de Keuleman. En retrait, on aère un peu notre jeu. Et Sifo est là pour récupérer le ballon. Sifo à Keuleman. Chiffo encore. Chiffo à De Wolf. Verstavel. Verstavel vers De Grey, parti à la limite du hors-jeu. Et plus loin que la limite, puisque le juge de touche a levé son drapeau. Hors-jeu donc pour De Grey. Oh, il fait chaud dans cet aquarium. Oh là 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 là. Et j'ai mon ami Luis de Matos, l'ancien joueur du Standard, devenu journaliste, entraîneur, qui n'est pas loin de moi. Et tout à l'heure, j'essaierai peut-être d'avoir quelques mots de lui. Ça nous rappellera de bons moments. Foutré. Pamera, qui a donné avec Joe Pinto, un centre repoussé, arrive dans les pieds de Denzo Chiffo. Chiffo qui glisse ce ballon vers Guéret. De Mol. Grün. Longue balle de Grün et hors-jeu à nouveau. Hors-jeu de Keuleman. Tout va bien jusqu'à présent. Petit coup d'œil. 14 minutes de jeu. C'est toujours 0-0 pour Vixat. Joe Pinto, le joueur de Porto, 28 ans. Une des valeurs sûres de cette équipe portugaise. Il compte 25 sélections. Dans l'équipe du Portugal. Remise en jeu pour Joe Pinto. Pinto qui a donné vers Uibarros. Joe Pinto à la remise en jeu vers Uibarros. Et le ballon est sorti toujours en faveur des Portugais. Panera, joueur de Benfica, ballon sort en coup de coin. Un nouveau coup de coin, c'est toujours Foutré avec son numéro 10 qui va donner les coups de coin. Attention au bal arrêté. Attention à tout d'ailleurs, attention à la tête aussi. Une bonne tête de Guéret qui a repoussé, un tir contré, le ballon revient. Il n'y avait pas de hors-jeu, revient vers Foutré. Un tir de Foutré à côté. Nous revoyons le tir de Foutré.
0-0 comme vous voyez et 15 minutes de jeu, un peu plus de 15 minutes. De Wolf qui a donné un retrait à De Mol. Nous gardons bien le ballon pour le moment, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas à nous à faire le jeu bien sûr. Grün, Chiffaut. Chiffaut qui a bien évité Souza, Chiffaut toujours, qui désoriente les joueurs portugais. Le ballon revient vers Emers, Salonat, Emers, oh c'est bien joué, beau mouvement. Ah c'est dommage, c'est dommage, Emers était hors jeu, mais très bonne combinaison des Belges. Sobrinho, joueur de Belenenses. Belenenses, c'est ce club qui a été entraîné par Henri de Pireux. Attention, et non, il avait joué le ballon, bien sûr. Pas de pénalty, un coup de coin. Une attaque tout à fait correcte de De Mol, que nous allons revoir d'ailleurs, sur Foudré. Voilà les deux joueurs côte à côte, et De Mol va toucher le ballon. Voilà qui est fait. Donc, Foudré tombe. Mais il n'y a pas de pénalty, bien sûr. Coup de coin, le ballon repoussé par Emers et il sort. Remise en jeu pour les Portugais. Veloso qui a donné direction de Souza. Souza en retrait à Sobrinho. Sobrinho vers son capitaine João Pinto. Toujours João Pinto, très offensif ce João Pinto. Il a centré, le ballon revient dans nos rangs avec Van der Elst. Van der Elst qui a donné à Grün. Nous sommes bien organisés. Hein. Vous voyez comment on occupe bien le terrain pour le moment. Une balle vers Emers. Et le ballon récupéré par Veloso. Les Portugais repartent. Avec Sobrinho de Belenenses. 28 ans. Veloso de Benfica vers Foudré, Foudré en retrait. Ballon reste dans les rangs portugais, longue balle en direction de Rui Barros et de Panera. Et c'est une remise en jeu. Ah non, il y avait une faute, vous avez échappé. Un coup franc que va donner Stéphane De Mol. 19 minutes de jeu, toujours 0-0. Une balle vers Núñez. Emers en retrait à Predan. Michel Predan au dégagement. Michel Prudhomme, qui vous le savez, est convoité, enfin on le dit, serait convoité par Porto. Il a tout intérêt à livrer un bon match ce soir. Guéret en retrait vers Chiffaut. Il y avait une faute sur Guéret, une faute de Semedo, joueur de Porto. Semedo est de Porto, tout comme Souza, tout comme João Pinto. De Greiz, centre de Greiz contré, le ballon pour la Belgique, remise en jeu. Remise en jeu pour Guéret. Très long comme d'habitude en direction de Keulemans qui prolonge. Et le ballon sort, remise en jeu à nouveau pour la Belgique. Et à nouveau Guéret bien sûr pour ses remises en jeu, c'est sa spécialité. Voilà, il prend son élan. Longue, très longue remise en jeu. Le ballon repoussé de la tête par les défenseurs et revient dans les pieds de Foudré. Ah Foudré, dangereux balle au pied. Il a donné vers Panera. Panera vers Foudré. Foudré attaqué par De Wolf. Et c'est un coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Se Foudré, il ne faut lui laisser bien sûr aucune liberté. Et ça, à mon avis, on aura dû dire au diable.
Cédric Guéret. Guéret vers Emers. Emers en entend, c'est bien joué à Keulemans. Keulemans vers De Grijze qui perd le ballon, un ballon qui revient dans les pieds de Ruy Baroche. Il est petit, Ruy Baroche, mais dangereux. Veloso. Veloso qui a donné à Foutré. Foutré vers Joe Pinto. Panera. Le ballon circule bien, mais heureusement revient dans nos rangs. Et on repart. Il faut repartir très vite maintenant avec Grün. Coup de sifflet de l'arbitre. Faute sur Grün. Il faut croire en nos chances dès qu'on a le ballon. Coup franc pour les Belges. Coup franc donné par Grün. On passe de Grün vers Keulemans. Tête de Keulemans. Le ballon maintenant pour Veloso. Chiffaut. Tir de Chiffaut dans les mains du gardien Silvio. Le gardien de Benfica, 30 ans, 14 sélections. Veloso. Veloso vers Semedo. Sobrinho de Belenense. Núñez. Il joue au Maritimo Madère. Joe Pinto de Porto. Encore Joe Pinto. Le danger peut venir de droite de Panera. Attention, centre de Panera. Le ballon revient dégagé finalement. Bord de limite de jeu, en coup de coin. À nouveau un coup de coin pour les Portugais. Et c'est toujours Foutré qui va donner ce coup de coin, comme d'habitude. Voilà Foutré. Voilà Michel Prudhomme. Une balle qui rentre, dégagée de la tête. Revient vers Joe Pinto, centre de Joe Pinto, attention, le ballon revient maintenant, au tir au-dessus, oh là là, c'était un tir de Ruy Baroche. Tir que nous allons revoir, le ballon a été mal intercepté par les défenseurs et il a tiré au-dessus du but de Michel Prudhomme. 24 minutes de jeu, toujours 0-0. Dégagement de Prudhomme vers Keulemans. Keulemans aux prises avec deux Portugais. Force un coup de coin. Coup de coin pour la Belgique. C'est le premier coup de coin pour les Belges. Coup de coin que va donner De Grijze. Très bien donné, mais le gardien est là. Silvinho, très attentif, un bon gardien, cueille le ballon. Panera. Panera qui a donné à Pinto, Joe Pinto. Núñez. Joe Pinto. Ce flanc droit me fait peur. Ruy Baroche. Veloso. Le ballon revient vers Semedo. Sobrinho. Et le ballon. Que demain. Joe Pinto. Panera, Joe Pinto, centre de Joe Pinto, ballon repoussé de la tête par Grün, revient vers Chiffaut qui le prolonge pour De Grijze. Chiffaut à nouveau. Joe Pinto est là, va donner à Núñez pour Semedo. Très bon technicien, ces Portugais, hein, comme on le sait depuis longtemps. Le ballon revient maintenant vers Veloso.
Oui, bonne ouverture vers Veloso, qui arrive trop tard. Nous avons un aperçu ici du football portugais, c'est-à-dire d'excellents techniciens, une technique impeccable, excellente touche de balle, une finesse du dribble aussi pour ces Portugais, de très bons footballeurs. Beaucoup de clairvoyance aussi, beaucoup d'imagination, mais enfin pour le moment, ça ne va pas trop mal. Michel Preud'homme. Veloso, pour personne sinon pour De Mol. Et De Mol redonne ce ballon dans les pieds. Oui, on joue bien pour le moment, enfin, on garde la balle. En tous les cas, c'est ce qu'il faut faire, vous voyez. Le porteur du ballon est aidé. Bonne ouverture là vers Grün qui est monté. Un centre de Grün et une intervention du gardien. Sylvinho sur ce centre de Grün. C'est pas mal. Il faut y croire. Semedo. Semedo en relais avec Foutré. Foutré pour Joe Pinto maintenant. Et hors-jeu. Hors-jeu de Rui Barros. Le juge de touche français avait levé son drapeau. Il a bien fait. Allons revoir. Impossible de juger. Mais enfin, apparemment, oui, il était bien hors-jeu. Minutes de jeu, toujours 0-0. Chiffo qui a donné à Grün pour... on progresse lentement, mais sûrement. De Greiz, faute sur De Greiz, faute de Joe Pinto. Coup franc pour les Belges. Chiffo. Oui, Chiffo s'est bien joué vers Emers en un temps. Oui, De Greiz qui a cédé pour que le Mansky n'a pas compris. Et voilà reparti les Portugais avec Foutré. Semedo. Transversal de Semedo en direction de Panera. Panera qui donne à Veloso. On tente de couper tous les angles du côté belge et apparemment jusqu'à présent ça va bien. Vous voyez que le ballon revient souvent dans nos rangs. Rui Barros, encore De Wolf qui est là, le ballon vers Foutré. De Wolf est là, pas loin de Rui Barros comme d'habitude et maintenant c'est De Mol. Ah, nous plaçons un premier rideau, un deuxième et même un troisième si on le pouvait. Hein. Jusqu'à présent, les joueurs portugais viennent buter sur notre système défensif. Chiffo. Aïe, Chiffo. L'arbitre avait sifflé, c'est dommage, mais Enzo Chiffo avait conservé le ballon. De Greiz, mauvaise passe de De Greiz, le ballon à Núñez. Rui Barros, toujours suivi par De Wolf. Et le ballon qui sort pour les Portugais. Mise en jeu pour Joe Pinto. Qui est donné vers Rui Barros. Joe Pinto. Rui Barros. Le ballon sort. Remise en jeu pour les Belges. 30 minutes de jeu. Toujours 0-0. De Greiz sur cette passe de Keulemans, De Greiz qui a donné à Keulemans, Keulemans arrêté fautivement. Ah, l'arbitre laisse l'avantage, il a raison. De Greiz, centre de De Greiz vers Guéretz qui était monté, mais c'est Semedo qui est là et qui donne un retrait à Sylvinho. Long dégagement de Sylvinho vers Foutré. Le ballon maintenant à Franky Van der Elst. En retrait à De Mol, De Mol. Grün dans l'espace libre en direction de Keulemans.
Je demande avec Nunez à ses côtés, il donne en retrait. Gerrits maintenant sur cette patte des mers, les Belges à l'attaque avec Van der Elst. Van der Elst qui glisse le ballon dans les pieds de De Mol. De Mol voit un appel de balle sur la gauche de De Wolf. Non, il préfère donner là vers Chiffaut. Bel gardien, dégage du pied, c'est Silvigno. Grün, le ballon reste belge. Grün, il n'y avait pas de hors-jeu et pourtant on a cru hors-jeu du côté belge. Dégagement de Silvigno. Nunez. Nunez a donné vers Huibarros. Bonne intervention de De Mol en couverture. Chiffaut. Ah, mauvaise passe de Chiffaut. Ça arrive rarement, mais cette fois c'est arrivé. Chiffaut se rachète très bien. Et oui, le ballon revient. Vous voyez, chaque fois, le porteur du ballon est attaqué par un Belge. C'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut harceler le porteur du ballon. Gerrits qui a donné à Van der Elst. Van der Elst, petit tourniquet à Grün. Très difficile à manier hein, de la façon dont les Diables Rouges jouent. Ils sont très difficiles à prendre, si j'ose dire. Versavel en retrait à Van der Elst. Van der Elst qui a vu un appel de balle de qui ? Eh bien, il donne un préfère donner en retrait à De Mol. Longue balle de De Mol et un retour de hors-jeu de 3 mètres aussi du cage. Et le cage, c'est Jan Keuleman. Semedo. Semedo vers Foutré. Centre de Foutré, Michel Prudhomme est là. Et une tête de Versavel qui écarte le danger en concédant un coup de coin. Un nouveau coup de coin donc pour l'équipe portugaise. Et cette fois, ce n'est pas Foutré qui va donner ce coup de coin, mais bien Panera. Panera qui le donne. Le ballon repoussé de la tête par De Mol arrive vers De Greiz, qui le prolonge pour personne. Les Portugais toujours à l'attaque avec João Pinto. João Pinto à Panera et une remise en jeu. Oui, pour João Pinto. João Pinto vers Panera. Dangereux ce Panera. Centre de Panera. Trop puissant heureusement, mais ça n'est pas terminé. C'est Nunez qui est là à la récupération et qui donne en retrait à Veloso. Centre de Veloso et dégagement de Mol. Il repousse. Sans fioriture, il a raison. Ah, curieux. Curieuse décision du juge de touche qui a levé son drapeau et qui signale un retour de hors-jeu imaginaire. Ah là, vraiment imaginaire. De Wolf, De Wolf à Versavel, à Chiffaut, pardon. De Wolf. De Wolf. De Wolf vers Keulemans. Une tête de Sobrinho. Le ballon revient dans les rangs portugais. Le danger revient, mais De Wolf très calmement donne à De Mol et De Mol à Prudhomme. Grün. Grün glisse le ballon dans les pieds de Gerrits. Grün encore. Il va donner du côté gauche. Voilà, Van der Elst. Van der Elst est bien joué à De Greiz qui a appelé ce ballon. De Greiz le fait sauter vers Gerrits, hors jeu de Gerrits. Petit coup d'œil au chrono, 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Semedo. Toujours Semedo qui a donné vers Foutré. Foutré perd le ballon au profit de Grün. Il le pousse trop loin, Grün, dommage. Il le récupère, Grün. Toujours Grün aux prises avec trois joueurs. Parvient à donner à De Greiz. De Greiz, ah c'est dommage, dans les pieds de Huibarros.
Et voilà le Portugal reparti en contre-attaque avec Panera. Panera en relais, non. Panera toujours. Et remise en jeu concédée par De Wolf. De Wolf dans son rôle de chien de garde, véritablement. Panera. Panera toujours. Encore Panera en retrait, en centre, repoussé par De Mol. Et dégagement de la tête de Grune. Chiffaut en retrait. De Wolf. Toujours De Wolf. Et encore De Wolf. C'est bien joué vers Chiffaut. Enfin, encore une perte de balle. C'est dommage. Un centre. Rui Baroche. Centre de Rui Baroche. Derrière le but de Michel Prudhomme. Pas de danger. Toujours 0-0. Nous sommes là dans le camp portugais avec Juca qui est l'entraîneur, 60 ans, il vient de la Mozambique, un ancien joueur du Sporting de Lisbonne. Núñez, le ballon pour Veloso. Núñez, Sobrinho, Panera. Panera, toujours Panera. Centre de Panera, repoussé de la tête par De Wolf. Ce Panera est dangereux. Núñez, toujours les Portugais. Et heureusement le ballon, maintenant pour Michel Prudhomme. Tout le danger vient de Panera. De Wolf qui a donné à Chiffaut. Chiffaut vers Emmer. C'est bien joué. Et merci à De Grijs. De Grijs pour Chiffaut. Ah, il y remet le ballon. De Grijs. En triangle, c'est bien du côté belge. Ça va vite. Ah, c'est dommage. C'était un beau mouvement. Il s'est mal terminé. Araignée qu'a pissé Guiteil sur ce terrain de Benfica, eh bien gêne terriblement les joueurs portugais. Michel Prudhomme. Long dégagement vers Kuhlmann, surprise avec Sobrinho. Il y a une bonne sortie du gardien, Silvinho, devant Kuhlmann, et il a accroché Kuhlmann au passage. Núñez. Alors que Kuhlmann s'est blessé, là, vous le voyez. Emmer. Et le ballon sort. Remise en jeu, mais l'arbitre va arrêter momentanément la partie. Kuhlmann s'est blessé, c'était une sortie audacieuse de Silvinho. Il a blessé notre capitaine. Que décide l'arbitre M. Biguet ? Il demande à Kuhlmann de quitter le jeu, tout simplement. Alors que le Walter Redan, le médecin de l'équipe belge, s'empresse au près de notre capitaine, aidé là par Silvinho. Ah ben Silvinho sait qu'il a blessé Kuhlmann, bien sûr. Il a des remords. Voilà, Yann revient au jeu. Et c'est un coup franc pour les Belges.
Van der Hel qui a donné à Guéret. Guéret à nouveau à Van der Hel. Van der Hel qui glisse le ballon dans les pieds de l'autre côté, là, du côté de De Wall. Longue balle de De Wall vers Keulemans, mais il y avait hors-jeu à nouveau de Keulemans. Le ballon maintenant pour Veloso. Veloso à Foutré. Encore Veloso, Núñez. 29 ans, Núñez. Souza. Souza qui a donné vers Veloso. Veloso vers Huibarros. Souza toujours. La couverture est bien assurée du côté belge. Et une faute là. Oh là, Enzo n'est pas content. Ah, il est fâché, Enzo. Il est fâché sur Veloso. Voilà. Oh là, oui. Donnez-vous la main, dit l'arbitre. Tout le monde s'entend bien. Voilà. Tout se passe bien. Match très correct jusqu'à présent. Quelques petits problèmes. Versavel qui, comme je vous le disais tout à l'heure, joue dans des conditions psychologiques très difficiles. Des dégagements de Michel Prudhomme. Très long, comme il le fait avec Malines. Ballon récupéré par Sobrinho. Emercela. Grün maintenant. Grün qui a donné à Van der Hel. Van der Hel à De Grijs. De Grijs pour Emers. Le ballon perdu par Emers. Récupéré maintenant. Emers toujours. Emers encore, talonnade, c'est bien joué vers De Grijs. De Grijs à Van der Hel, le ballon reste belge, circule bien dans nos rangs, comme il faut le faire. Et on se calme, vous voyez, on se calme. Phrase désormais célèbre, on se calme. Foutré. Semedo a perdu le ballon, heureusement pour nous, De Grijs est là pour le récupérer. Centre de De Grijs à Chiffaut. Chiffaut en un temps. Ah non, Enzo, il avait mieux à faire. Núñez qui a donné pour Semedo. Toujours 0-0, vous le voyez, il ne reste plus qu'une petite minute. Il ne faudrait pas prendre un but maintenant, ce serait vraiment dommage. Veloso, centre de Veloso, vers Huibarros, dans une position difficile. Versavel est là, et il donne en retrait à Michel Prudhomme. Versavel. Versavel à Van der Hel. Emmers. Pour les Belges, nous arrivons en fin de première mi-temps, quelques secondes encore à jouer, on tient le coup jusqu'à présent. Chiffaut. Un coup franc encore pour la Belgique, l'arbitre va mettre fin à la partie, une faute que nous allons revoir. Coup franc pour les Belges. Coup franc que va donner Enzo Chiffaut. Une tête et une sole, là, c'était bien joué. Et le ballon dégagé finalement par le gardien. Ah bien, c'est la seule situation dangereuse, là, enfin relativement dangereuse. Toujours les Belges en attaque avec De Grijs. De Grijs qui rentre dans le jeu, qui perd le ballon. Un ballon intercepté par Veloso. Vers Foutré. De Wolf est là. De Wolf qui a donné à Chiffaut. Chiffaut pour Grün. Et hors-jeu de Keulemans. Nous disputons les arrêts de jeu maintenant. On joue depuis 46 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0 à 0. Donc mission accomplie, peut-on dire, pour les Diables Rouges jusqu'à présent.
Mais attention, attention, Núñez, qui a donné à Joe Pinto. Remise en jeu pour les Portugais. Panera. Panera toujours. Un centre. Le ballon revient dans les rangs portugais avec Souza. Tir de Souza contré par De Wolf. Et contre-attaque des Belges avec Keulemans maintenant. Keulemans qui attend de l'aide. Il donne en retrait vers Semedo. Tête de Guéret. Foutré récupère. Et De Wolf est là pour dégager. Joe Pinto. Centre de Joe Pinto. Le ballon poussé encore une nouvelle fois de la tête. C'est toujours le même scénario. Et la fin. La fin de cette première mi-temps sur le score de 0 à 0. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai à mes côtés Luis de Matos, que les supporters du Standard, dont les supporters du Standard se souviennent. Luis de Matos, qui est ici entraîneur dans un club de deuxième division, qui en plus est journaliste et donc un observateur ce soir. Alors, Luis, une La collaboration du Crédit Communal de Chaudfontaine et de Deleuze, l'Union fait le foot. Oui, merci Gaëtan. Eh bien oui, effectivement, nous revoici donc à Benfica, au stade de Benfica, devant 70 à 80 000 spectateurs pour cette deuxième mi-temps. Une première mi-temps qui s'est terminée, vous l'avez souligné, sur le score de 0 à 0. Ce qui signifie donc que les Diables Rouges ont jusqu'à présent très bien rempli le rôle que Guitéz leur avait assigné. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, nous avons présenté au cours de cette première mi-temps une équipe remarquablement organisée qui a très bien occupé le terrain. Et cette occupation du terrain a considérablement gêné les Portugais. Voilà, pas de changement apparemment dans aucune des deux équipes. L'arbitre, eh bien, il est toujours le même. Il est français et il s'agit de monsieur Biguet, Gérard Biguet, qui va donc donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et espérons que dans 45 minutes, j'aurai le plaisir de vous annoncer le même score, 0 à 0. En tous les cas, un match nul pour cette rencontre, un match nul qui ferait que les Belges obtiendraient 4 points sur 6. Et il faut bien dire que 4 points sur 6, ce serait extraordinaire pour la Belgique. On ferait déjà, oserais-je le dire, dans ce cas-là, un énorme pas vers la péninsule italique. Voilà, le coup d'envoi donc de cette deuxième mi-temps avec des Diables tout blancs toujours et qui vont attaquer maintenant vers la gauche. Il est tard chez nous, je crois. Oui, 23h30, ici seulement 22h30. Vous savez qu'il y a une heure de décalage entre Lisbonne et la Belgique. 22h30 ici, 23h30 pour vous. Et nous sommes entrés donc dans la première minute de jeu avec les Diables Rouges en possession du ballon. Et merci père, ce ballon. Il faut s'attendre vraisemblablement maintenant, il va falloir s'attendre à un pressing de la part des joueurs portugais. Une faute ici, une faute de Van der Elst, un pressing des Portugais qui savent très bien qu'ils doivent à tout prix faire le résultat ici, c'est-à-dire remporter les deux points. S'ils veulent conserver une chance, évidemment, tout n'est pas dit. Hein. On est seulement au début pratiquement de ce tournoi entre les équipes que vous connaissez, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Belgique, le Portugal, la Suisse et le Luxembourg. Mais les points grappillés ici et là, eh bien, comptent très fort au total. Une balle pour De Wolf qui a livré une excellente première mi-temps. Lui aussi a respecté les consignes qui lui avaient été données par Guitéz. Verstappen maintenant en position, un centre tir de Verstappen. Oh là ! Oh là là ! Eh bien, Verstappen a failli surprendre tout le monde et lui sans doute le premier. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a voulu faire. Verstappen, en tous les cas, il a failli surprendre Silvagno. Le centre de Verstappen, eh bien oui, finalement, il avait l'air d'y croire. Et regardez comment ce ballon est passé près du but de Silvinho. On a bien failli marquer. Oh là 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 là. C'eût été un but surprenant. Les Portugais qui repartent maintenant avec Núñez.
Foutré. Mauvaise passe de Foutré dans les pieds de Grun. Il n'y avait pas... Oui, il y avait au, au jeu de Degreiz. Foutré sur lequel il n'y a pas un marquage individuel, mais qui est un peu pris en tenaille entre deux ou trois défenseurs, et ça réussit bien jusqu'à présent, il ne s'est guère montré dangereux. Il faut bien dire que Michel Prudhomme n'a pratiquement pas dû intervenir. Rui Baroche, lui, est serré de près, je vous l'ai dit, par De Wolf, mais qui ne le suit pas n'importe où. Lorsque Rui Baroche quitte sa zone, eh bien, attention au centre maintenant, un centre repoussé. Et un coup de poing concédé la part de Moll. Donc quand Rui Baroche se déporte trop vers la gauche, eh bien, De Wolf, très intelligemment, ne le suit pas partout. On est bien organisé. Coup de coin. Coup de coin que va donner Foutré. Le ballon dégagé revient maintenant vers Degreiz. Longue balle de Degreiz pour personne. Nous sommes tous derrière. Tous derrière et les Portugais devant. Foutré. Foutré, un appel de balle sur la gauche de Panera. C'est bien joué. Centre de Panera. Le ballon repoussé par De Wolf. Remise en jeu. Panera, très dangereux, je vous l'ai dit, au cours de la première mi-temps. Un jeune joueur de Benfica. Il aura 23 ans demain. Sobrinho, longue balle vers Michel Prudhomme. Pas de problème pour Michel. Van der Elf, Chifo, Grun. Grun à Chifo. Perte de balle de Chifo, profit de Veloso. Et remise en jeu pour les Portugais. Souza, en retrait à Núñez, qui isole du côté droit João Pinto. Et le ballon sort pour nous. Van der Elf. Pour Grun. Grun glisse le ballon vers Emers en un temps. Toujours Emers. Emers vers Gerrit. Redonne le ballon derrière. Oh, c'est bien joué. Beau mouvement des Belges. Vas-y Enzo. Il va tirer Enzo. Non, il est arrêté dans son élan par Núñez. Et le ballon redevient portugais avec Semedo, originaire de Mozambique. Semedo toujours donnant retrait. Keulemans pour Versavel. Panera. Semedo. Semedo qui perd le ballon. Ballon qui redevient belge et qui passe de pied en pied. Avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid des Diables. Jusqu'à présent, fort heureusement, les Portugais n'ont pas trouvé la faille. Il n'y a pas de faille d'ailleurs. Remise en jeu pour les Diables. 6 minutes de jeu, deuxième mi-temps, toujours 0-0. Remise en jeu pour Gerrit. Très longue remise en jeu vers Keulemans. Keulemans en retrait, un tir à côté. Mais il y avait un coup de sifflet pour une faute de Keulemans. C'est Chifo qui avait tiré. Nous revoyons l'action et le grand Yann qui pousse Oliveira. Et pendant ce temps-là, il y a eu un hors-jeu de Degreiz. Núñez de Madère, de Maritimo Madère.
tête de Grün, très sûr Grün, dans la relance aussi, non seulement lorsqu'il faut arrêter une attaque, mais dans la relance, Georges Grün est très précieux. Voilà, il a déséquilibré les Portugais, et au moment où je vous dis qu'il est précieux dans la relance, évidemment, comme pour me contredire, il perd le ballon. C'est pas grave. Joe Pinto. Pinto qui attend de l'aide, voilà, il a donné vers Panera. Panera vers Núñez. Núñez à Rui Baroche. Rui Baroche attaqué immédiatement. Attention à Rui Baroche. Il fait sauter le ballon vers Foutré. Un ballon qui revient. Oh, Panera qui tire et qui marque. Oh oui. Ah, ce Panera. Ah, Panera, oui. Il est dangereux depuis le début, ce Panera. Et il vient de marquer. Il vient de marquer alors que l'on joue depuis 7 minutes, pratiquement 8 minutes. Rui Baroche, que nous revoyons ici en possession du ballon. Rui Baroche qui va faire sauter ce ballon vers Foutré. Un ballon repoussé de la tête par Van der Elst dans les pieds de Panera. Panera qui prend tout son temps et qui tire et qui trompe Michel Prudhomme. Fusillé à bout portant pratiquement. Et Panera donc, après 8 minutes de jeu, ouvre la marque. Un but que nous revoyons à nouveau. Et le Portugal mène maintenant par 1-0, but de Panera. Le ballon repoussé de la tête malencontreusement par Van der Elst, mais évidemment il était dans une position difficile, on peut pas lui en vouloir à Van der Elst, il a envoyé ce ballon en sauf qui peut, et c'était un beau mouvement amorcé par Rui Baroche. Et Panera, qui de loin est le meilleur joueur portugais depuis le début de la partie, et bien se voit récompensé par un but, 1-0, c'est dommage. C'est en réalité la première situation dangereuse devant Michel Prudhomme. Remise en jeu pour les Belges, elle est faite par Guéret. Longue remise en jeu vers Keulemans qui a prolongé. Le ballon revient vers Verstappen, tir contré de Verstappen, tir de Chiffaut contré à nouveau maintenant. Et vraisemblablement, nous allons voir une toute autre équipe des Diables Rouges en appel de balle de Grün. Et le ballon repoussé de la tête par les défenseurs portugais. Donc nous allons voir maintenant des Diables Rouges plus offensifs qui ont tout intérêt. Maintenant, ils doivent le faire, ils doivent faire le jeu. C'est ce que fait Chiffaut maintenant. Chiffaut qui a donné à Grün. Grün qui glisse le ballon dans les pieds des Mers. Un ballon récupéré par les Portugais et qui arrive à Guéret. Se passe un peu courte de Moll qui dégage. Et en retour de hors-jeu de Keulemans. L'arbitre a sifflé, n'a pas sifflé, mais le juge de touche a relevé son drapeau. Ah, ce but. Ah, ce but. Et oui, le premier but concédé par les Belges depuis le début du tournoi du mondial, et comme on dit, du groupe 7, puisque nous avons battu les Suisses 1-0 et nous avons réussi le nul en Tchécoslovaquie 0-0. Premier but donc concédé par les Belges. Les Belges qui attaquent maintenant avec De Grey. De Grey qui a donné à De Wolf. Un appel de balle de De Grey. De Wolf l'a vu. De Grey toujours. Les Belges maintenant. Plus offensif bien sûr vers Keulemans. Keulemans qui rabat pour Chiffaut, un peu petit Chiffaut, et le ballon est dégagé par les Portugais. L'arbitre avait sifflé. Keulemans ne paraît pas être d'accord avec la décision de l'arbitre. Très difficile à entendre les sifflets de l'arbitre ici, vous l'avez dit. Derrière des épaisses vitres. Revoyons l'action. Chiffaut ici et le ballon dégagé. Il y avait sans doute eu une faute au préalable de Keulemans. C'est coup franc. Donc maintenant dans son rectangle pour Silvigno. Tête de Grün. Semedo. Guéret. Guéret qui a donné à Grün. À nouveau Guéret. De Moll, De Wolf et Verstappen. Van der Elst. Emmer. Emmer vers Chiffaut, talonnade de Chiffaut. Emmer, c'est bien joué. Emmer qui est seul, qui va marquer. Oh là 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 là.
quelle détente de Silvino Emers, quel beau mouvement des Diables Rouges. Emers qui s'est présenté seul devant Silvino, une détente extraordinaire de Silvino. Bon, il s'en est fallu de bien peu. Revoyons ce mouvement, voyez Emers qui s'infiltre dans la défense, qui se présente seul, qui tire, bonne sortie du gardien qui réduit l'angle, et du bout des doigts, il repousse ce ballon qui a failli entrer dans le but. Bien joué de la part des Mers, et coup de coin pour les Mers. Belle occasion pour nos Diables Rouges. Il faut y croire. Oui, très bien joué. Keuleman, Silvino est là encore une fois. Quel beau mouvement des Diables Rouges. Ce tir des Mers, j'ai bien cru qu'il allait marquer. Très bon gardien, ce Silvino. De Wolf. De Wolf qui a donné à Verstappen. Faute sur Verstappen, coup franc pour les Belges. Belges qui jouent beaucoup plus rapidement maintenant, bien sûr. Les données du match ont tout à fait changé depuis que les Portugais ont inscrit un but. Nous devons maintenant, à tout prix, marquer à notre tour, donc faire le jeu. Van der Hel à Emers. À nouveau Emers dans l'axe comme tout à l'heure. Une balle pour De Grijs. De Grijs pour Keuleman. Tête de Keuleman. Ce ballon revient dans nos rangs. Et dégagé très mal vers Verstappen. Rubaroche qui a donné vers Joao Pinto. Voilà, Rubaroche. Lui aussi est dans l'axe, Rubaroche. Et il est dangereux. Balle au pied. Il a donné à Semedo. Tire de Semedo dans les nuages. Et il n'y en a pas beaucoup de nuages dans le ciel de Lisbonne. Nous revoyons le tir de Semedo, dont c'est la deuxième sélection dans l'équipe de son pays, dans une position difficile, déséquilibrée, et tire au-dessus. Il n'y a véritablement eu qu'un tir dans le cadre, c'est le tir qui a amené le but. Quel dommage. Keuleman, centre de Keuleman, une tête de Grijs est arrivée trop tard. Grün toujours, Grün qui a donné vers Chico qui lui remet le ballon. Les Portugais maintenant. Avec Souza. Une balle pour Rui Barros. Attaqué comme toujours par De Wolf. De Wolf comme il faut. Est-ce que l'arbitre a sifflé ou est-ce qu'il accorde une remise en jeu? Nous allons voir. Il va y avoir un changement. Du côté portugais, le numéro 15 va entrer au jeu. Nous revoyons la faute, ou en tous les cas, oui, le numéro 15 entre au jeu. Pour le numéro 10, le 10, c'est Foutré qui est blessé, semble-t-il. Et c'est Pacheco, le joueur de Benfica, qui remplace Foutré. Blessé. Foutré est blessé, c'est Pacheco qui entre au jeu. Je suppose qu'il s'agit de blessures. Pacheco, joueur de Benfica, 22 ans. C'est Foutré sort. C'est sa première sélection à Pacheco. Je ne vous fais pas le coup du boulevard, je l'ai déjà fait. Toujours les Portugais maintenant, avec Oliveira. minutes de jeu en deuxième mi-temps. Toujours un but à zéro pour les Portugais. Les Portugais qui attaquent avec Joao Pinto. Panera, l'auteur du but. Souza. Sobrinho. Emers. Bonne ouverture d'Emers dans la foulée de Keuleman qui devrait s'entrer vers De Grijs. Ah, très dommage. C'est dommage, ce pied d'Oliveira. C'était bien joué de la part de Keuleman qui avait vu De Grijs isolé du côté gauche. Remise en jeu pour les Belges.
Elle est faite par Guéret. Longue remise en jeu. Sortie du gardien qui n'a pas capté le ballon. N'a pas pu le maîtriser. Ballon qui revient maintenant vers Grün. Et Chiffon en retrait. À De Mol. Et à nouveau remise en jeu pour les Belges. Guéret pour la mise en jeu. Vers Van der Elst. Van der Elst du côté gauche, là où se trouve Verstappen. Verstappen attaqué par Panera. Verstappen toujours. Glisse le ballon dans les pieds de Chiffon. Un appel de balle sur la droite. Chiffon l'a vu. Ballon revient à nouveau vers Emmer. Et il sort pour nous. Guéret à la mise en jeu. Vers Keulemans. Ballon revient vers Chiffon en retrait. Grün à De Wolf. Panera est très rapide, ce Panera. Et en plus, quelle technique, vous avez vu. Heureusement, le ballon est sorti. Panera a fêté pratiquement son anniversaire en inscrivant un but, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il fêtera ses 23 ans demain. Pacheco, nouveau venu. C'est Prudhomme. De Wolf. Van der Elst. Chiffon. Grün. Van der Elst. Il faut repartir à zéro. De Mol. De Mol pour De Wolf. De Wolf en un temps vers Chiffon. Mais c'est Joao Pinto qui est là. Et Silvino maintenant. Silvino qui tout à l'heure, vous l'avez vu, s'est détendu devant MR. Quelle occasion de but pour nous. On n'en a pas profité. Il est vrai que le gardien de but, ça joue avec. Le voilà Silvino, 30 ans, 15e sélection. Rui Baroche, bonne couverture du ballon. Quelle clairvoyance, Rui Baroche. Veloso. Encore Rui Baroche. Oui, toujours Rui Baroche, il est seul. Et il tire au-dessus. Oh là là, un mouvement. Et Rui Baroche s'est présenté seul devant Michel Prudhomme. Vous voyez, il appelle le ballon. Voilà, il va le céder à Souza, qui lui remet dans les pieds. Il est dans l'axe, il tire. Prudhomme sort et il tire au-dessus, Rui Baroche, heureusement. On a eu chaud. Un peu le même mouvement que tout à l'heure avec Emers, quoi. Voilà le tir de Rui Baroche. Et il a mal pris son ballon. Heureusement pour nous. 20 minutes de jeu en deuxième période. 1-0 pour le Portugal. Le ballon remis en mouvement par Guéret. C'est Rui Baroche ici, le joueur de la Juventus. 23-0. Longue balle. Van der Elst qui a prolongé. Un ballon qui revient vers Chiffon. Chiffon pour De Wolf. Tir de De Wolf à côté. Sans danger pour Silvino. Michel De Wolf donc ici. Il s'est très bien acquitté de sa tâche qui était de tenir de près Rui Baroche bien sûr. Il lui échappe de temps en temps, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il était à la base du but. On vient de le voir encore maintenant lorsqu'il a tiré. Mais ce n'est pas facile, croyez-moi, de tenir de près, à la culotte, comme on dit, dans le monde du football, un joueur de la qualité et du talent de Rui Baroche. Guéret.
Pour De Grace, centre de De Grace, le ballon repoussé de la tête par Oliveira. Grün. Veloso. En retrait à Silvino. Deux minutes de jeu et toujours un but à zéro. Pacheco, Veloso, en retrait à Oliveira. Panera, Sobrino, Pacheco, une faute de Garrett, coup franc pour les Portugais. Coup franc donné par Veloso, direction de Pacheco. Coup de pied de but pour Poida. Demol qui s'en va mal au pied. Qui tente d'isoler Chifo. Joe Pinto, le capitaine. Vers De Wolf, tête de De Wolf à Van der Elf. Van der Elf se fait prendre le ballon par Souza. Ballon qui revient dans les pieds. Maintenant de Georges Grün. Georges Grün pour Chifo. Panera, Sobrino et Veloso. Ils jouent mieux les Portugais maintenant. Ils ont pris confiance. Il est vrai que forcément, puisque les Belges maintenant doivent faire le jeu, eh bien les joueurs portugais disposent de plus de liberté, comme vous voyez. Panera. Panera à Joao Pinto, Panera à nouveau, centre vers Ruibarros et le ballon dans les mains de Prudhomme. Les Portugais ont plus d'espace libre évidemment que tout à l'heure. Chifo. De Grèze. Pour Savel, perte de balle au profit de Joe Pinto. Pinto pour Silvino. Michel Prudhomme. Gage très loin vers Keulemans. Le ballon à Núñez. Une chandelle. De Wolf et Van der Elf maintenant. De Mol. De Mol fait sauter le ballon vers De Wolf. Un ballon récupéré maintenant par les Belges, par Verstappen. Joe Pinto. Souza. Et maintenant Panera. Panera avec Rui Barros. Barros toujours. Oh, bonne ouverture de Barros. Et une sortie de Prudhomme devant Pacheco. Vous voyez que les conditions de jeu ont changé tout à fait. Hein. C'est différent bien sûr, je le répète. Des espaces libres maintenant pour les joueurs portugais. Le jeu n'est plus bouché comme tout à l'heure chez nous. Et les Portugais en profitent. Une faute à l'entrée à 3 mètres de rectangle, une faute sur Pacheco. Portugais bien sûr en profite pour s'infiltrer dans les espaces libres. Revoyons la faute. Je ne suis pas tellement sûr qu'il a manqué une faute. Ouais, au revoir. Coup franc. Coup franc pour le Portugal.
coup franc repoussé. Chiffaut. Chiffaut toujours. Coup franc, faute sur Chiffaut. Sept minutes de jeu. Chiffaut. Transversal du Chiffaut vers Keulemans. Accroché Keulemans. Oui, c'est un coup franc pour la Belgique. Faute de Joe Pinto. Ah, il faudra un tout petit but. Un tout petit. Coup franc que va donner Enzo Chiffaut. Demol est monté. Chiffaut, une tête de grune qui est montée lui aussi. C'est sa spécialité. Le ballon pour Chiffaut, attaqué par Panera. Dans Aversavel, qui est reculé d'un cran pour permettre à Grune d'avancer. Une balle vers De Grey. De Grey s'y prolonge pour Keulemans. Tête d'Olivera. Panera toujours. Ah, ce Panera est un excellent joueur. Quelle classe. Versavel. Les Portugais qui repartent. Panera. Toujours Panera, arrêté fautivement par Van der Elf. Coupant. Faute que nous allons revoir. Panera qui conduit bien son ballon et qui est arrêté fautivement. Coup franc. Coup franc que va donner Souza, spécialiste. Balle brossée. Et tête et piquet de bonhomme. Oh là, c'était bien joué. Quelle action dangereuse. C'est Semedo. Semedo qui a repris cette balle de la tête. Nous allons revoir ce coup franc donné. Semedo qui plonge véritablement. Voilà, qui de la tête pique la balle devant Michel Preud'homme. Une bonne détente de Preud'homme qui a évité là un deuxième but. Bravo Michel. Et on repart avec De Grey. C'est peut-être un signe du destin. Bonne ouverture de De Grey. Guéret qui tombe. Non, dit l'arbitre. Ah, il aura peut-être rajouté un peu la Guéret. Hein, D'ailleurs, vous voyez, il ne réclame pas. Nous revoyons cette action. Voilà Guéret, il est attaqué par Olivera. Ah là, c'est pas sûr. C'est pas sûr, on n'était pas loin du pénalty là. J'ai même bien l'impression qu'il y avait un pénalty. Il n'a pas touché le ballon. Éric Guéret n'a pas réclamé, il n'y a pas cru. Enfin, de toute façon, il était trop tard, mais... Et là, on n'était pas loin du pénalty, hein. Ce monsieur Biguet aurait bien fait de regarder de plus près. Enfin. Joe Pinto. Ben oui, Baroche. Baroche et De Wolf toujours. De Wolf qui concède un coup de poing. Et il va y avoir un changement du côté belge. Je vois Guitey s'approcher de la ligne médiane et il va y avoir un changement. Le numéro 16, semble-t-il, va entrer au jeu. On va voir qui est le numéro 16 sur notre composition d'équipe. Van der Linde, sans doute. Oui, un attaquant de plus. On va tenter le tout pour le tout. Coup de coin. Alors poussé de la tête par Keulemans. Il est passé devant Preud'homme ce ballon. Le ballon qui reste portugais. Avec maintenant Pacheco. Pacheco qui... Oh oui, bien joué de la part de Pacheco. Un centre au deuxième poteau. Et ballon dégagé par les Belges. Vers Grune. Grune qui a donné à Keulemans. Keulemans pour De Grey. Talonnade de De Grey à personne. Et Joe Pinto relance. Un retour de hors-jeu, signalé par le juge de touche. Et un changement donc du côté belge, où le numéro 7 va quitter le jeu, c'est-à-dire De Mol.
De Mol quitte le jeu, Van der Linden entre. Et nous allons voir qui va jouer comme libéro. Van der Linden comme attaquant, bien sûr. Le voilà, et Georges Grün vraisemblablement comme libéro. Ouais. Et une équipe belge plus offensive, donc. Emers. Oui, apparemment, c'est Grün qui occupe le poste de libéro. Moins de 15 minutes, moins d'un quart d'heure, 13 minutes même encore à jouer. On est remis en mouvement par les Portugais. Bon, maintenant carrément avec trois attaquants. Il y a Van der Linden, il y a De Grey, il y a Keulemans. En soutien, Emers. Van der Elst, c'est Schiffaut, bien sûr. Schiffaut qui a donné à Verstappen. Centre de Verstappen, personne à la réception. Sinon les Portugais qui, eux, évidemment, c'est le jeu. Se regroupent très bien en défense et repartent maintenant en contre-attaque. Avec Pacheco bien arrêté là, fort correctement par le nouveau libéro, Georges Grün. De Wolf. Beau perte de balle de Verstappen au profit de Panera et hors-jeu maintenant de Rui Barros. Emers. Guéret. Guéret à Emers. Bon, on revient vers Veloso. Dégagement de Veloso. Pacheco pour Semedo. Bien joué de la part de Semedo. Semedo qui descend pas nos pieds. On ne l'attaque pas. Centre de Semedo vers Rui Barros. Contrôle de la poitrine de Rui Barros qui tire à côté. Un beau mouvement des Portugais. Vous avez vu le contrôle de la poitrine de Rui Barros, le centre, voilà. Contrôle de la poitrine, il rabat le ballon. Et il le pousse peut-être un peu loin, il est dans une position difficile. Et il tire désespérément, heureusement pour nous, à côté du but de Michel Prudhomme. Encore une situation dangereuse pour les Portugais. En faveur des Portugais. Minutes encore à jouer, même pas, oui, 11 minutes. Et Rui Barros, excellent joueur, très dangereux, non seulement balle au pied, mais dans tous ses déplacements. Excellent balle au pied, excellent même sans le ballon. Et le ballon remis en mouvement par Veloso. Anderel en retrait. Schiffaut. Schiffaut toujours vers Verstappen. Verstappen attaqué par Panera. Vous voyez le travail de Panera, un travail offensif, on l'a vu, mais défensif également lorsqu'il le faut. Oui, bien joué de la part de João Pinto. Pinto qui a donné vers Rui Barros. Les Belges dégagent de plus en plus. J'ai une faute de Grün. Faute de Grün. Appelé par l'arbitre et qui peut-être va recevoir un carton jaune. La faute, nous la revoyons. Oui, il y avait faute, mais je ne sais pas si ça mérite un carton jaune. Pas une faute volontaire. Rui Barros au sol, il gagne du temps bien sûr. L'arbitre demande à Rui Barros de quitter le jeu. Coup franc pour les Portugais, donné comme toujours par Souza, joueur de Porto, spécialiste des coups de pied arrêtés. Ça donne à Rui Barros. Rui Barros pour Souza, bonne couverture de De Wolf. De Wolf qui relance Schiffaut. Schiffaut pour Verstappen. Grün. Grün à Schiffaut, dangereusement. Grün à nouveau. Et il y avait hors-jeu. Non, il n'y a pas de hors-jeu. Si, David a quand même sifflé, mais le juge de touche n'avait pas levé son drapeau.
l'arbitre a osé prendre ses responsabilités là, alors que le juge de touche n'avait pas soulevé son drapeau. Et voilà les Portugais repartis maintenant avec João Pinto. João Pinto toujours. Encore João Pinto. En retrait. Vers Souza. Semedo. Souza toujours. Et le ballon pour les Belges maintenant. Alors que le public et les joueurs réclament faute. Diabloul repart avec Chifo. Toujours Chifo, il a bien évité Semedo. Encore Chifo. Chifo à Guéret, sa position dédiée. Centre de Guéret, centre tir. Dans les mains du gardien. Et c'est goal. Et c'est goal. Oh là 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 là. Un tir de Guéret qui marque. Oh là là, il a été surpris, Silvinho. Tout le monde a été surpris. Et Guéret, nous revoyons le tir de Guéret. Regardez. Un tir difficile, détourné par un pied sans doute. Le gardien est trompé. Et le ballon va passer entre le gardien et le poteau. Il lui glisse. Et il entre dans le but. Oh, que c'est beau! Ah ah! Oh, et il reste 7 minutes à jouer. C'est pas un beau but, hein. Entre nous, c'est pas un beau but, mais on le prend quand même. Ça, c'est un but inespéré, inespéré. Ce ballon qui passe sous Silvinho. Il n'avait commis aucune erreur, ce Silvinho. Un partout. Il faut tenir maintenant, il faut tenir. Les Portugais à l'attaque avec João Pinto. Et on va reprendre maintenant notre système défensif. Un but miraculeux. Un but miraculeux. Coup franc. Pour João Pinto. Dégagement. Van der Linden. À Chifo. Chifo qui glisse ce ballon à Kuhlmann qui joue en retrait maintenant. Emmer. Chifo. De Grijze qui tire. Qui centre-tire. Kuhlmann. Rui Barros, attention à celui-là. Rui Barros toujours. Semedo. Semedo toujours. Núñez. Núñez pour João Pinto. João Pinto avec Verstappen. Attention au centre. On est bien regroupé à nouveau en défense. C'est un milagre, milagre, ça, c'est miracle en portugais, on vient de me le dire. Eh bien, c'est un miracle. Chifo. Chifo toujours. Chifo encore, centre de Chifo sans doute, oui. En retrait, là où se trouve De Grijze, un tir de De Grijze au-dessus. 4 minutes encore à jouer et un changement chez les Portugais. Où le numéro 16 va entrer au jeu. Et le numéro 16, c'est Brito, un attaquant de Portimense, un attaquant de 25 ans. C'est César Brito, dont c'est la première sélection. Un attaquant de plus pour Juca, l'entraîneur. Correcto.
Dégagement vers Van der Linden. Semedo. Attention. Ce serait malheureux de prendre un but maintenant, après tout ce qui s'est passé. 3 minutes encore à jouer. Attention, coup de coin. Un coup de coin pour les Portugais. Balle rabattue. Toujours les Portugais. Van der Linden arrive trop tard. Joe Pinto. Semedo. Vers le ballon. Semedo, toujours. Pacheco. On se regroupe très bien en défense. Maintenant, une faute de De Wolf. Je vous assure que si ça se termine par un match nul, on pourra dire que Notre-Dame de Fatima est avec nous. Deux minutes encore à jouer. Les Portugais sont décontenancés, ils ne s'attendaient absolument pas à ce but surprise. Et quand je dis surprise, c'est un euphémisme. Je crois que le premier surpris, c'est Guéret, d'ailleurs. Dégagement, long dégagement de Michel Prudhomme. Le ballon revient vers Van der Linden. Un but partout, oui. On croit rêver. Et je vous assure que ce but de Guéret, au décompte final, lorsque on parlera du voyage en Italie, eh bien, il comptera. Hein. On en parlera. Mais enfin, espérons quand même que ce but nous amènera un point. Attention. Attention. Michel Prudhomme. Kuhlemann à Schifo. 20 secondes encore à mon chrono, mais il n'avance pas. Schifo toujours. Schifo en retrait, voilà qui est bien joué à Verstappen. Centre de Verstappen. Souza. Souza toujours. Souza. À mon chrono, 90 minutes et 12 secondes de jeu. Est-ce que M. Biguet va regarder son chrono? Il ne semble pas décidé. Pendant ce temps-là, les Portugais conservent le ballon. Un ballon qui revient dans nos rangs avec Van der Linden. Centre de Van der Linden vers De Greys. Il ne faut pas perdre le ballon. Non, non, c'est une minute de jeu. Une faute. Faute de Kuhlemann. Coup franc pour les Portugais. Attention à Souza. Centre de Souza. Et le ballon qui sort. On gagne du temps. Je crois qu'il n'y aura qu'un mot pour qualifier ce match miracle, miracle, miracle. Voilà, c'est sûr, cette image que nous allons quitter, on y croit à peine. Mais sachez donc que la Belgique a réussi le nul ici au Portugal. Merveilleux résultat des Diables Rouges. Portugal 1, Belgique 1. Ici Lisbonne, à vous Bruxelles, à vous Gaëtan.